Que le nom du Seigneur soit loué. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons lire une écriture et notre frère viendra pour nous parler. Amen. Ésaïe chapitre 41. Isaiah chapter 41. Je vais lire en anglais. Je vais lire en anglais. Si ça va. Isaiah chapter 41. Isaiah 41. Verse 13. I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not. Amen. I will help you. Amen. 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 Prions. Dieu notre Père, ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Et aussi loin de ton serviteur qui va nous parler de ta parole. Car c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons humblement prié. Amen. Amen. Vous pouvez venir, mon bien-aimé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. And the Lord bless you. Nous sommes dans la joie. We're joyful. Quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. When we are told, let us go to the house of the Lord. Dis-moi, j'espère que c'est le cas de tout le monde. And I hope is that is the case for everyone. Nous nous réjouissons d'être dans la maison du that Seigneur. That we all rejoice to be in the house of the Lord. Parce que là, nous entendons les paroles. Because there we're hearing the word of the Lord. Nous apprenons la volonté de notre Dieu. And we're learning the will of our God. Et cela nous aide à this is helping us to be in harmony with our Heavenly Father. C'est important. It's important. D'être dans la joie. To be joyful. Amen. Lorsque on vient when we are coming dans la maison du Seigneur. In the house of the Lord. Et que on soit zélé and to be en zealous le faisant. By doing it. Amen. Amen. Parce que si on n'est pas zélé, because if we are not zealous, ça ne montre pas la joie. And this is not showing the joy. Ça ne montre pas qu'on s'attend à grand chose. And it's showing that we're not expecting anything or amen. Good things. Que Dieu soit loué. May God be praised. Alors, nous les avons lus dans Ésaïe 41. We have read in Isaiah 41. Car je suis l'Éternel ton for Dieu I, qui fortifie ta droite. Amen. I strengthen your right hand. Qui te dit ne crains rien. Tells you to not fear anything. Je viens à ton secours. For I come to your help. Ne crains rien. Fear not. Vermisseau de Jacob. You warm Jacob. Faible reste you men of Israel, je viens à ton secours. I will help you, dit le says the Lord. Et le Saint d'Israël, and your Redeemer, amen. Et ton Sauveur, the Holy One amen. Of Israel. Que Dieu soit loué. Amen. May God amen. Be praised. Amen. Ce sont des paroles qui rassurent. These are the words that gave assurance. Mais il s'adresse à une catégorie. But it's only spoken to a category of people. Il s'adresse in speaking au vermisseau de Jacob. Amen. To the worm of Jacob. Faible reste d'Israël. Amen. The weak remnant of Israel. Un reste. Just a remnant. Qui a été affaibli. That has been weakened. Mais Dieu dit ne crains. But God said, do not fear anything. Ce n'est pas n'importe qui. It's not anyone. Ce sont ceux qui sont fatigués dans le combat. But it's that those who are tired in the battle. Ceux qui ont gardé leur fidélité. Those who have kept their faithfulness. Qui ont gardé leur position and ferme. And have kept their position steadfast. Qui n'ont pas craint. Those who have not feared. Amen. 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 Comme Daniel. Like Daniel. Même la mort. Even death. Ne l'a pas inquiété. Could not worry him. Il y a eu un décret. There was a decree. C'est lui qui gardera cette position. He will keep that position. Mourra. Will die.
Parole du roi. The word of the king. Et ça c'est garanti. And this is a guarantee. Parce que le roi parlait. When the king spoke. C'est pas de la blague. It's not a joke. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Because there are many people. Qui vont informer le roi. Who are going to inform the king. Que toi tu n'as pas obéi. That you have not obeyed. Amen. Voilà pourquoi le diable. That's why the devil. A non seulement lui. Not only mais him, il a d'autres qui travaillent avec but lui. But he has also others who are working with him. Pour nous accuser. To accuse us. Pour épier notre liberté. And to yes. Come and spy our freedom. Et il y aura certainement quelqu'un pour accuser. And surely there will always be someone to accuse. Mais devant ce danger. But before this danger. Devant cette grande menace de before mort. Before this great amen threat of death. Il a gardé sa position. He has kept his position. Il était prêt à mourir. He was ready to die. Quand il s'est dit, vaut mieux mourir croyant. When he said, it's better to die a believer. Vaut mieux mourir dans la position. Better to die in a position. Que de mourir comme un lâche. And to die. Qui a trahi son Dieu. As someone who has betrayed his God. Amen. Qui a trahi sa foi. That someone who has betrayed his faith. Nous sommes dans ce temps-là. We are in that time. Un temps terrible. A dreadful time. Où les véritables croyants. Where the true believers. Doivent passer par les tests. Must go through the test. La Bible dit. The Bible says. Votre foi. That your faith. Est plus précieuse que l'or. Is more precious than gold. Amen. Est-ce que vous le savez? Do you know that? Si ta foi. If your faith. N'est pas encore plus précieuse it's que l'or. Not yet more precious than gold. Donc tu n'as pas encore. So it means that you have not amen. Yet believed. Le Seigneur a dit. The Lord said to the disciples. Si votre foi. If your faith. Est grand comme le grain de like sénévé. A seed of mustard. Seulement petit comme. Just ça. Small, little like the seed of vous allez, mustard. Vous allez accomplir des prodiges. You're going to accomplish amen wonders. Seulement comme le grain de sénévé. Only just as a seed of mustard. Amen. Est-ce que ce verset-là me fait toujours réfléchir? This verse always makes me think. Quelle taille a ma foi? Say, then I can think, what is the size of my faith? Si je n'ai pas encore déplacé les montagnes. Because I have not yet moved mountains. Yeah. J'aimerais vous déplacer les montagnes. I would like amen. To move mountains. Amen. 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 Comme le grain de sénévé. As the seed of mustard. Amen. Les disciples chassaient les démons. The disciples were casting out demons. Ils ont chassé. They cast out et demons. Et le démon ne voulait pas partir. And the demon did not want to go away. Au nom de Jésus. In the name Jésus. Of Jesus. C'est une épreuve terrible. It's a terrible trial. Tu as appliqué la parole. You have applied the mais word. Mais le démon ne part pas. But the demons are not being cast away. Et le Seigneur dit le problème. And the Lord said the problem. C'est toi. It's you. Amen. Mais comment ça? I say how? Moi j'ai appliqué la parole. I have applied the word. Mais le démon n'est pas sorti. But the demons are not going away. Le Seigneur arrive. The Lord arrived. Il dit démon. Say demon. Sort. Come out. Il sort. And he came il out. Hey. Mais comment il a fait? But how did he do that? Comment lui il a fait? How une he fois, has done it? Le démon est sorti. Once only. Mais nous avons répété les mêmes paroles. But we have repeated the same word. Mais le démon n'est pas but sorti. But the demons did not go out. Qu'est-ce qui ne va pas? What is wrong? La foi. The faith. Amen. Oui. Le problème c'est la the foi. The problem is the faith. Cette écriture que notre frère a été conduit à lire. Our brother was led to read. S'adresse it's spoken à une catégorie to a category gens. Of people. Et Dieu leur dit. And God told them. Verset 13. Verse 13. Car je suis l'Éternel, for I, the Lord, Dieu, your God, qui fortifie ta droite. You hold your right hand. Parce que cette droite-là, because that right hand, c'est celle qui est agissante. Is the one that is in acting, whether that is acting. Je fortifie ta droite. Amen. Il donne le pouvoir. He is giving the power to his word. He's giving amen, the power to your right hand. Il te donne l'autorité. He's giving you the authority. Devant les mauvais esprits. Amen. Before, amen, in front of the evil spirit that are attacking you. Yes. Il dit. He said.
saying, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta voix. For I, the Lord your God, will hold your right hand. Et qui te dit, saying to you, ne crains rien. Fear not. Je viens. I will help you. À ton secours. Amen. Ces jours-là, on that day, le Seigneur, the Lord, est venu à leur secours. Came to their help. Sors, démon, sors. Come out, come out, demon. And the demon was laughing. Sors, au nom de Jésus. In the name of Jesus. The demon was laughing. In the name of Jesus. Le Seigneur est venu, démon. The Lord said, demon, come out. Il est sorti. And he just came out. Il est venu à leur secours. He came to their help. S'il n'était pas venu, if he did not come, ça, ils allaient être ridicules. Ah, they would have been so ridiculous. Ils devaient être couverts de honte. And to be covered of shame. Et très souvent nous voyons. And often we see that. On a prié pour quelqu'un. You have prayed for someone. Les maladies ne sont pas finies. And then the sickness are not finished and the demons are not come out. Et on dit non, c'est parce que tu as beaucoup de péchés. It's because you have a lot of sin that you do not believe. Et toi qui pries. And you are praying. Crois pour lui. Amen. Believe for him. Amen. Crois pour lui. Believe for him. Oui. Amen. Lui ne sait pas. Because he doesn't know. Mais toi tu sais. But you know. Amen. C'est par ta prière, it's by your prayer, par ta foi, by your faith, que ces démons vont sortir. That these demons are going to come out. La personne qui est possédée, the person who is possessed, n'a aucun pouvoir. Has no power. Frère Branham dit, Brother Branham said, celui qui est tombé dans le trou, has fallen in ne the peut hole, pas sortir de lui-même sans le secours d'une main extérieure. Outer hand. Yes. Que Dieu soit encore loué. May God be praised again. Verset 14, ne crains rien. Verset 14, fear not. Maintenant, ça commence à, now, à être beaucoup plus précis. To be more precise. À qui Dieu parle. To whom God was speaking to. À qui to, s'adresse-t-il. And to whom he's speaking to. Oui, parce qu'avant, c'était, je because suis ton Dieu. Because he said, I am your Lord. Tout le monde peut dire Amen. Your God. Everybody can say Amen. Mais le Seigneur commence à être plus précis. Now the Lord has started to become more, 14, more precise. Verset 14. Fais not Jacob. You warm Jacob. Faible reste d'Israël. You men of Israel. Ils ont une identité. They had an identity. Comme mon frère parlait tout like my brother was speaking before. Ils ont déjà leur they identité. They already have their identity. Ils sont des gens qui se sont bien identifiés. These are the people who have identified themselves. On les connaît. They, we know them. On les identifie. They are known. They can be identified. Si ton identité est floue, if your identity is blurry, cette parole ne s'adresse pas. This word is not spoken to you. Non. No. Le Seigneur s'adresse à une catégorie. The Lord is speaking to a category of people. Faible reste. You warm Jacob. Amen. You men of Israel. Eux-mêmes sont faibles. They are weak themselves. Mais ils croient dans un Dieu puissant. But they believe in a mighty God. Amen. Un Dieu tout an almighty puissant. God. Amen. Amen. Je viens à ton secours. I will help you, says the Lord. Et le Saint d'Israël. And your Redeemer, the Holy One of Israel. Amen. Ton Sauveur n'est pas n'importe qui. Your Redeemer is not just anyone. C'est le Saint d'Israël. Is the Holy of Israel. Amen. The Only One of Israel. Il te le répète. He is repeating this. Say your Redeemer is the Holy One of Israel. C'est pas n'importe qui. It's not. Not just anyone. Quand lui se déplace, les montagnes when tremble. You move, the mountain can shake. Hallelujah. Amen. C'est lui qui dit, c'est moi. And he is saying that I am your Redeemer. Alors ne crains rien. So do not fear anything. C'est moi qui te dis. I am the one who's telling you that. Amen. Be assured. Yes. Pour te rappeler, nous chantons ça souvent. Remember, we sing that a lot. Rien, do not fear anything. I love you. Je suis I am with you. Amen. Promesse suprême. Supreme promise. Amen. Qui soutient that sustains my faith. Vous voyez? Amen. La sombre vallée n'a plus de terreur. Amen. The shadow of death. Amen. It's not making me tremble anymore. Une sombre vallée. Amen. The shadow of death. Voilà. Et là, nous nous rappelons quand David dit. There we remember what David said. Quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, though I walk in the valley of shadow of death, je ne crains aucun mal. I will fear no evil. Amen. Vous
savez que nous sommes dans Psaume 23. You know that we are in Psalm 23. Je ne crains aucun mal. I do not fear any evil. Pourquoi il ne craint pas? Why is not fear anything? Car tu y es. For you are with me. Oui. Yes. Partout où tu vas. Wherever you go. Si ton Dieu if est avec your toi, God is with you. Tu ne dois craindre aucun mal. You should not fear anything. Oui. Amen. Partout où tu es. Wherever you are. Parce qu'il faut d'abord qu'on a, on l'atteigne lui pour t'atteindre. They have to reach him before oui. reaching you. Amen. Voilà pourquoi il dit. That's why he said. Quand je regarde à ta houlette et ton when bâton, I look at your staff and your rod, ça me rassure. I have assurance. Quand je vois ton pouvoir. When I see your power. Quand je vois ta grandeur. When I see your greatness. Oui. Quand je regarde tout ce que when ta main I look a créé, all that your hand has created, tout ce qui subsiste and par all ta main, that exists by your mighty hand, ça me rassure. This is a gift. This is giving me assurance. Alors Paul pouvait dire, and then Paul si say, Dieu est pour if moi, God is for me, alors qui sera who can be against me? Parce que Dieu because he is a dreadful God. S'il est dans ton camp. If he is in your side. Vous avez vu les Philistins? Have you seen the Philistines? Quand ils ont vu Goliath. When they saw Goliath. Et Goliath posait un pas à la terre vibrée. And Goliath was just stepping and the ground couched. Ils sont devenus fous. And they all became ils ont crazy. Commencé à crier, hey! And they started to shout. Israël, où est ton oh, Dieu? Israel, where's your God? Goliath faisait encore and un pas. And Goliath make one more step. C'était une journée terrible. It's a terrible day. Quand ils regardaient la taille de Goliath, and when they could see even the height of Goliath, Goliath and his strength, ça leur rassurait. This gave them immense strength. Et Israël, and Israel, leur foi a commencé the à faith diminuer. For all the people of Israel, amen, decreased. Pourquoi? Why? Parce qu'ils avaient longtemps, toute la journée, contemplé la puissance de leur ennemi. Because they were beholding the power of their enemy all day long. Si tu passes la journée, if you waste your time, à observer la puissance by du diable, looking at the power of the devil, ta foi va diminuer. Your faith will go down. Et ton zèle sera découragé. And your zeal will be discouraged. Amen. Et Goliath leur demandait. And Goliath was asking them. Mais Israël. But Israel. Où est votre Dieu? Where is your God? Il est où? Where is he? Où est votre roi? Where is your king? Où sont vos vaillants? Where are your warriors? Israël avait la. And Israel, they had their head bowed down. La Bible dit. The Bible says que cette scène that this scene a duré toute la journée. Was there for all day. Des heures et des heures. Hours after hours. Où les Philistins. And the Philistines. Se moquaient. They were mocking the people of Israel. Se moquaient pas seulement d'Israël. They were not just mocking Israel. Mais aussi de leur but Dieu. Also their God. Mais vous savez, Dieu but a you know, laissé cette scène. God allowed this immense scene to be there for hours. Pour voir to see s'il y aura un seul croyant. If there will be just one believer un among seul them, one qui peut only, dire non. Who can say no. Nous ne craignons pas Goliath. We're not fearing Goliath. Notre Dieu. Our God est le Tout-Puissant. He is the Almighty God. C'est le Dieu d'Israël. He is the God of Israel. C'est lui notre secours. It's He who is our helper. Amen. David n'avait pas de force spéciale. David had no amen, special power. C'était un petit garçon. He was just a little child. C'est pas les muscles de David. It's not the muscles of David. Non. No. C'était la main de Dieu. It was God's hand. Amen. C'était la main de Dieu. It was only God's hand in action. Un enfant est venu. A child came. Il a trouvé des vaillants guerriers. And found the warriors. Des gens expérimentés en guerre. People who were experienced in the war. Mais qui avaient passé beaucoup de temps à but écouter le discours de l'ennemi. Listen to the speech of the enemy. Et toute leur expérience. And all their experience. Ne valait plus rien. Amen. Meant nothing anymore. Amen. Même leur héros Saul. Even their own hero. Le champion d'Israël. Amen. The giant and the champion of Israel. Il s'est caché derrière. He was hiding behind. C'était un moment. The army. It was a dreadful time. Ce sont ces moments-là. These are these moments. Qui arrivent des fois dans la vie des enfants. That happen in the life of the children of God. Tu es devant des épreuves. You are
You are going through trials. Tu as prié. You are prayed. Rien ne va. And nothing is going well. Si ta prière n'a pas d'effet. As if your prayer has no effect. Tu as jeûné. You are fasted. Toujours pas de changement. No more change. No change. Mais pendant ce temps, but during that time, Dieu observe ta foi. God is observing your faith. Combien de temps tu vas continuer à croire? How long are you going to believe? Daniel. Daniel continue à croire. Continue to believe. Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. And he found himself in the den of lions. Et quelqu'un pouvait dire. And someone could say. Mais si Dieu est vivant. But if God is a living God. Comment il a permis que tu ailles dans la fosse aux lions? How he allowed you to go even in the den of lions? Mais Dieu agit. God en son temps. In his own time. Amen. N'est jamais en retard. God is never been late. N'est jamais en avance. Never been in advance. Il est au temps opportun. He always comes in a promptly, in a right time. Appropriate time. Amen. Amen. Mais regardez. Look, pendant ce temps-là, during that time, le croyant, the believer, doit ruminer les promesses. I must go through the promises of God in his heart. Doit la nature de son Dieu. The nature of his God. Amen. Qui est mon sauveur? Who is my savior? Who is my redeemer? Amen. Le Seigneur dit, verset 14, ne crains rien, émission de Jacob. Amen. Fear not, Jacob, you men of Israel. I will help you. Je viens à ton secours. Says the Lord. Et le Saint d'Israël. And your Redeemer, the Holy One of Israel. C'est lui ton sauveur. It's he who is your Savior, your Redeemer. Que c'est merveilleux. Isn't it wonderful? Amen. La foi. The faith. C'est la clé. It's the key. Amen. Et la fois passée, nous disions. And last time we say. Que nous vivons un temps. That we live in a time. Terrible. A terrible time. La prophétie dit, the prophecy par rapport à l'Odyssée, according to the Odyssey, beaucoup that many feront naufrage par rapport à la foi. According to the faith, beaucoup. Many. Mais tu ne peux pas faire naufrage. But you cannot sink par rapport à la foi. According to the faith, si tu n'as pas cru. If you have not believed before, il faut d'abord croire. You had believed before. Pour faire naufrage. So that you may you can now sink according to your faith. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Parce que qu'est-ce que le diable fait maintenant? What is the devil is doing right il now? Il essaye d'obscurcir l'intelligence. To darken a man people wisdom. En injectant des pensées. By injecting some evil thoughts. Je vous ai dit la fois passée. I told you last time. Comment? How? Maintenant leur travail. The work. C'est d'essayer. Of these people is to try. D'ôter la foi. A man to take away faith in you. En rendant tout ce que tu as cru by making everything that you are believing incertain et to be so unsure. Oui. Maintenant il commence à dire quand nous retournons dans l'histoire, when we go back in the history, on ne voit pas les traces du peuple d'Israël en Égypte. The traces of the people of Israel in Egypt. On ne voit pas ça. We don't see on anything voit pas anymore. Qu'il y a eu we don't see that there was le déluge, on ne voit pas les traces, on ne voit pas we do not see any trace. Les scientifiques. The scientists. Mais ils peuvent vous expliquer. But they can explain to you. Que il y a 6 milliards d'années. That for 6 million of years. Qu'il s'est passé des choses. That et ils veulent vous expliquer. And they are trying to explain you all these theories. Mais ce qui s'est passé il y a seulement 2000 ans. But the thing that took place about 2000 years ago. Ils ne peuvent pas vous expliquer. Now they don't want to explain. Ce qui s'est passé il y a 4000 ans. What happened in 4000 years ago? Ils ne peuvent pas vous expliquer. They don't want to explain. Parce que la Bible. Because the Bible. Pas seulement. 6000 ans. It's only for 6000 years. Et les 6000 ans pour l'histoire c'est rien. And 6000 for history is nothing. No. Mais ils disent que tout ça c'est flou, on ne sait pas. They're saying that all of this is so blurry. We're not sure. On veut nous expliquer des millions d'années. But they want to explain to us about the millions of years before. C'est la confusion. It's the confusion. Amen. Vous voyez? Maintenant 2 Corinthiens. A 2 Corinthians. Le chapitre 4. 2 Corinthians chapter 4. Verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. C'est pourquoi,
2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. Amen. Nous rejetons ces choses honteuses qui se font en secret. But we have renounced the hidden things of shame. Amen. Nous n'avons point une conduite not walking craftiness. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. No handling the word of God deceitfully. Mais en publiant la vérité. But by manifestation of the truth, nous nous recommandons à toute bonne conscience Dieu, to every man's conscience in the sight of God. Si notre évangile est encore voilé, but even if our gospel is veiled, il est voilé pour ceux qui perdent. It is veiled to those who are perishing. Amen. Si l'évangile est encore voilé pour toi, if the gospel is still veiled for you, c'est que tu es en train de périr. It means that Amen. You are perishing. Vous savez, périr, no, perishing, ça veut dire mourir à petit feu. Means to die by little fire. Amen. Amen. Des fois, tu ne sais même pas que tu es en train de périr. Sometimes you don't even know that you are perishing. Amen. Amen. Parce que tu es dans l'aveuglement. Because you are in blindness. Alors il dit, and he say, pour les incrédules. Amen. Dans le Dieu de ce siècle, whose mind the God of this age has blinded, ce siècle who do not Dieu. Who do not believe, amen. Oui. This age has a God. Oui. Amen. From Banam preaching predication, le Dieu de cet âge mauvais, God of this amen. Evil age, preaching not predication, he not the sermon, he parle de l'Eden de Satan. He is talking about the Eden of Satan. Amen. Et quand vous lisez Paul, and when you read Paul in Ephesians, il dit, he nous said, étions autrefois we were conduits selon le train before, de ce monde. Amen. Led according to the course of this world. C'est le Dieu de cet âge. The God of this evil age. Amen. Vous voyez? You see? Il y a quelqu'un qui dirige le monde. There is someone who is in control of this le world. Le système de ce the monde. The system of this world. Oui. Et tous ceux qui vivent dans ce monde sans Dieu, and those who are living this world without God, sans la sagesse de without Dieu, God's wisdom, ils ne peuvent pas survivre. They won't Amen. Be able to survive. C'est impossible. Amen, it's impossible. Il faut une haute sagesse. Amen, you need a higher wisdom. Amen. Et ce n'est que la it, parole de Dieu only the word of God qui peut nous mettre à l'abri. That can help us and voilà hide us le prophète from dit, the danger. That's what the prophet dans says. Certaines choses, in some of the things, obey first, même sans comprendre, even without understanding. Fais seulement confiance à Dieu. Just trust Amen. God first. Je ne comprends pas. I do not understand. J'obéis. But I obey. Amen. Parce que tu es plus sage que moi, tu sais. Because Amen. God, you are more wiser than me. Certaines choses, some of the things, nous les comprendons, we shall understand them only after the rapture. C'est Amen. Pas tout ce que nous comprenons it's dans la chair. It's not that we're going to understand in the non, flesh. Non, il y a des choses, there are things qui seront toujours mystérieux. That will always oui. remain mysterious. Jusqu'au jour de la mort. Until the day of the rapture. Amen. Amen. C'est alors là-bas de l'autre côté. That's why after on the other side. Que nous comprendrons. That we shall understand. Comment nous avons vaincu. How we have overcame. Là on va te révéler. And they're going to reveal to you. Tes ennemis. All your secret enemies that you never knew before. Donc tu n'as pas besoin de les chercher. So you do not need to seek them and try Maintenant, to find them now. Concentre-toi sur ton salut. Now you be focused Amen. Only on your salvation. Sur l'obéissance. And the obedience Amen. To the word of God. And let God to take care of your all enemies. Amen. Mm. Alors, écoutez. So listen. Verset 3. Verse 3. Si notre évangile est encore voilé, but even if our gospel it is veiled, voilé pour ceux qui périssent, it is veiled to those who are perishing, pour les incrédules, whose mind, amen, le Dieu de ces siècles, the God of this age has blinded, who do not believe, afin qu'ils ne vivent pas briller la splendeur de lest, l'évangile, de lest la the light of the gospel of the glory of Christ, Dieu, who is the image of God,
Il y a une lumière en Christ. There is a light in Christ. That has to shine in your heart. Oui. Amen. Quand nous chantons, when we sing, le soleil levant nous a visité. The living sun has visited us. C'est dans la personne de Christ. The sun of justice, righteousness, is in the person of Christ. Il y a une lumière qui est claire. There is a light that enlightens. Et ici, and here, la Bible dit, le diable fait tout. The devil is trying by all means, pour que tu ne voies so that you may lumière. Not see this light to shine. Parce que quand ça brille, because if this light shines in your heart, amen, it doesn't shine in your eyes, but it's shining in your heart. Hallelujah. Voilà pourquoi, that's why, amen, somewhere else, Apostle Paul says, I think it's in Colossians, leurs yeux that their eyes ont été obscurs, have been darkened, blinded. Amen. Yes. Et quand vous allez dans Apocalypse 3, and if you go to Revelation 3, le Seigneur dit, the Lord said, que je vous donne le colis. Amen. I'll give you the amen. Le nom d'abord, Apocalypse 3. Ah, aye. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Apocalypse 3. Revelation 3. Que Dieu soit loué. Mm. Voilà. Nous prenons le verset 18. Voilà, merci. Je te conseille, I counsel you, d'acheter de moi de l'or from et me gold with fire, fire afin que tu deviennes that riche, you may be rich, et des vêtements blancs and white garments, afin que tu sois vêtu, that you may be clothed, et que la honte de ta nudité that the ne shame pas. Of your nakedness may not be revealed, et un collier, and an anoint your eyes, tes yeux, the eyes so, afin que tu voies, and that you may see. Est-ce que vous voyez ça? Do you see that? Afin que tu voies. Amen. So that you may amen. See. Pourquoi? Why? Parce que le Dieu de cet âge because the God of this evil age a aveuglé has blinded les incrédules, the unbelievers, pour qu'ils ne voient pas so cette that they lumière. May not see this light, amen, to shine. Hier, yesterday, nous prions pour quelqu'un. We pray for someone. Et la personne a dit, and the person said, je veux croire en Christ. I want to believe in Christ. C'est un chrétien. It's a believer. Mais il dit, but he said, je veux croire. I want to believe. Ça veut dire, je ne crois pas. It means that I do not believe. Mais j'ai envie de croire. But I want to believe. Mais je n'arrive pas à croire. But I'm not able to believe. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a d'autres choses qui because se sont mises some of the things which entre are being ta foi put between your faith et toi. And yourself. Pour t'empêcher in order to hinder you to believe. Le diable va mettre certaines the devil will dans put ta some marche, of the reality in your work, in your life, foi. In order to block your faith. Et le diable te posera des questions. And the devil will ask you questions. Si ton Dieu est avec toi, if your God is with you, pourquoi ça? Why this in your pourquoi life? Ça? Why that in your pourquoi life? Ça? Why this in your et life? Tu n'auras pas des réponses. And you won't have any answer. Alors ta foi va commencer. And then your faith will come down, will increase. Mais nous pouvons dire. But we can say, nous chantons, as we're singing. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. I do not know in Jésus his grace. Jesus has loved me so mais je much. Sais but I know en lui, that in him, j'ai la vie. I have life, I have eternal life. Ça, je le sais. This I know. Ne me demande pas pourquoi. Do not ask me why. Ne me demande pas de t'expliquer. Do not ask me how to explain. Mais moi, je le sais. But I know. Amen. J'ai l'assurance. I have the boldness de mon salut. Of my salvation. Amen, amen, amen. Et regardez. And look. Le Seigneur donne des conseils. The Lord is giving verset counsels. Verse 18. Il dit, je te conseille I counsel you d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. To buy from me gold refined in the viens fire. Acheter. That you may be rich. Mettons to buy. Amen. Prenons Esaïe 57. Je crois que notre frère l'a lu récemment. Let us read Isaiah 55. Amen. I believe that our brother read it recently.
Isaiah 55. Du moins la pensée a été touchée. At least the thought has been touched. Vous tous qui avez soif. Everyone who thirsts. Venez aux eaux. Come to the waters. Même celui qui n'a pas d'argent. And you who have no money. Venez acheter. Come, buy and eat. Manger. Yes, come. Venez acheter. Buy wine and milk. Without sans money. L'argent. Amen. And without price. Sans rien payer. Amen. Venez acheter. Come and buy. Sans rien payer. Without, amen, without price. No. Qui aura l'excuse? Mais who going to have an excuse? Tu n'avais pas l'argent. You did not have money. Tu n'avais pas les moyens d'acheter. You did not have the means to buy anything. Viens acheter. Say, come to buy. Sans rien. But without price. Parce que le prix. Because the price has already been paid in Golgotha. Amen. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. There is nothing free in this world. Amen. Quand le Seigneur dit viens acheter, when the Lord sans rien is payer, calling you to come and buy without price, parce que c'est prepaid. It's because this Amen. Has already been prepaid. Alléluia. Vous comprenez? Do you understand? Alors il dit venez acheter, he said, come and buy sans rien payer, without price. Alors nous retournons dans Apocalypse 3. Then we go back in Revelation 3. Et là, c'est juste pour vous montrer. It was just to show you. Quand il dit acheter de moi, when he's saying buy from me, ne pensez pas que vous pouvez acheter. Think that you can buy with money. No. Mm-hmm. Amen. Amen. La grâce ne s'achète pas. The grace cannot be bought with money. Amen. De la même manière. In the same way que on ne prête pas à Dieu. That we do not borrow God. Oui, il y a des enseignements comme quoi. That some of the teaching. Tu peux endetter. Like what you can lend God. No. No. Personne ne peut endetter. No one can lend God. How can you lend? Amen. To God, everything oui. that He has given you. Moi, je t'ai donné 100 pounds. I've given you 100 pounds. Tu fais cadeau. I give you as a gift. Et puis tu viens. And then you come. Me donne 10 pounds. Then you give me 10 pounds. Et maintenant tu me dois. You said, oh, you owe me now. Et si j'ai prêté tous les 100 pounds? And if I take back my 100 pounds? Yeah. C'est ça, on ne peut pas prêter à Dieu. You cannot lend anything to God. Alors, vous regardez encore le verset 18. Verse 18. Nous insistons sur ce verset. We're insisting on this verse. Pour une raison. For a reason. Amen. Amen. Le verset 18. Verse 18. Regardez, je te conseille. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Vous savez, l'or. You know, gold. C'est le type de la divinité. Amen. It's the type of Godhead. Oui, parce que c'est ce que nous recherchons. Because this is what Amen. We're seeking. Amen. 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 Godhead. Amen. Parce que nous sommes des fois très charnels. Because sometimes oui. we are too carnal. Le problème de l'église. The problem of the church. C'est le caractère. Is the character of man. Le manque de l'expérience. The lack of experience of the new birth. Amen. This is what is disturbing the church. Les caractères compliqués. Les complicated characters. Mais si nous pouvions seulement acheter de l'or, but if we could only buy gold, refined by fire, divinité, and then we can manifest Godhead. Mais tout le monde va courir vers l'église. And everyone is going to run to the church. Alors ils diront, je then suis say, vraiment dans la I joie. I am joyful. I'm truly joyful. Dit, when I am told, let us go to the house of the Lord. Because there, je vais I am going to meet de l'or. God. Amen. Des gens, mais de l'or en forme des hommes. Amen. But gold, but in form of men. Amen. Quelle grâce. What an amazing Amen. Grace. Alors il dit, then he says, je te conseille d'acheter de moi I de l'or. I counsel you to buy from feu. Me gold refined afin que tu deviennes riche. Fire, that you may be rich. Ta richesse. Hallelujah. Your riches, your wealth is the Godhead in you. C'est pas combien d'argent tu as en banque. It's not how much money you have in your own bank. Mm-mm. C'est pas combien de costumes. It's not how much suit we have in our wardrobe. Mm-mm. Tu peux changer deux fois. You can change twice a day, three times a day. Pauvre. But you are poor spiritually. Amen. Sans Dieu. Without God, you are poor. Alléluia. La Bible dit. The Bible says. Éprouvé par le feu. Cet homme-là est passé par le feu. This God has gone through fire. Il est dans sa forme la plus pure. He's in the form, the most pure form. Amen. Amen. Dieu met tout ça à ta disposition. God is putting everything on your disposition. Il achète.
He said, buy. Sans argent. Without money. Viens, come and buy. L'or. The gold. Refined in the fire. Viens prendre la nature and divine. Then come, take the divine nature of God. Gratuitement. Freely. Sans rien. Without paying anything. Amen. Bien, recherche cette divinité. How many are seeking this Godhead? Amen. Afin que tu deviennes riche. That you may be rich. Vous voyez? Un homme très riche. A very rich man. Parce qu'il a la nature. Because he has God nature. Amen. Et le ciel dit voilà un milliardaire. And the heaven said this is a billionaire. Voilà. Amen. Merci frère. Amen. Quelqu'un millionnaire, mais pas un milliardaire. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, il dit, et des vêtements blancs. And white garments. Vous savez les vêtements blancs? You know the white garments? C'est le type. It's the type. Des œuvres. Of the good works. Amen. Oui. Amen. Les bonnes œuvres. Amen. Amen. Vous savez. You know. L'épouse, the bride, lorsqu'on la voit dans Apocalypse, when là, we see her in the Revelation, was clothed with a fine linen, white fine linen. Amen. The scripture says, qui sont les bonnes œuvres. These are the good work. Amen. The good works. Amen. Des saints. Of the saints. Quand Paul en parle dans Ephésiens, when Paul spoke about in Ephesians, dit, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance, that prepared beforehand, so that you may put them in practice. La vie des enfants de the Dieu, life of the children of God is already pre-programmed. Même les œuvres qui doivent even the works that they're going to perform. Amen. That's why the son says the son does nothing. Amen. That he has seen the father doing. Because all that he ought to do, he was already predestined. The good works were already been written in advance. And when he was asked, fais-moi ceci. Do this si ce for n'est me. Pas écrit, if it's not written, il disait non. He said no. Il disait non. He said no. Il faut que je voie d'abord. I have to see amen. First. Amen. The Father in the Father. Les véritables enfants de Dieu. The true children of God. D'abord chercher. Must seek first God's will. Chaque chose. In everything. Même si ça semble bien. Even if this looks seems to be good in your own sight. Mais ce n'est peut-être pas. But maybe this could not be God's will. La Bible dit. The Bible says, ne faites pas confiance à vos yeux. Do not trust your own sight. Parce que telle chose semble juste aux yeux d'un homme. Seem to be good in the sight of a man. Au Dieu, au but Dieu, in God's sight, à la mort. It's leading you to death. Amen. Mm. C'était le cas. This was the case. Qu'on devait choisir David. That you ought to choose David. Pour devenir roi. To become the king of Israel. Le prophète Samuel a sorti. The prophet Samuel, amen. But he spoke about this word. He said to Jesse, I mean the father Jesse, of David. Dit, ce n'est pas it's not ce que tes yeux what voient. Your eyes see. Oui, parce que lui il disait non. Because he said no. Bête, he cannot be this little man. Soyons sérieux. Be serious. They say king of Israel. Je connais pas ces petits. Ah, you know this boy, this little child. C'est pas par hasard que je l'ai envoyé pour les brebis. It's not by random that I sent him to take care of my sheep. That's all he can do. C'est un bon à rien. Lui on l'a envoyé là-bas. It's good enough. That's why we sent him there. Mais Dieu avait mis un trésor. But God already put a treasure in David. Il y avait de l'or en lui. There was gold in David. Hallelujah. Cette divinité amen. The Godhead was already in the child David. Mm. Alors, quand lui sort, and then when he came out, Samuel dit, c'est lui. Samuel said, it's him. It's him. Are you sure this little man? On t'a amené des vaillants guerriers. And we brought you some warriors here. Dieu dit, c'est pas God said, it's not him. It's not them. Non, pas lui. No, not him. Ah non, ça doit être celui-ci. There must be this one then. Parce que lui, il a un record. Because he has a record. Il a combattu en Irak. And he fought in Iraq and Vietnam. Dis non, pas lui. Is it not him? Quand on amène David, it's him. Amen. Et puis, comme le père est choqué. And the father was shocked. Il dit non. Say no. Écoute. Look, listen. L'homme. A man, regarde à ses yeux. Look at what his eyes can see. L'homme était merveilleux. The man is wonder. Comme quand just Israël regardait Goliath.
When Israel was looking at Goliath, he said, Oh, I was so amazed. Quel vaillant. He said, what a warrior. Un homme puissant. A powerful man, a giant. Dieu dit, God said, cette vision-là, that vision va te mener à la mort. Is going to lead you to death. Tu dois changer de vision. You must change your vision. Ne juge rien. Do not judge anything according to your own wisdom. Selon tes yeux naturels. According to your natural sight. But judge according to the eyes of the heart. Amen. Dans l'homme. In the man. Ne sois pas attiré. Amen. Par ce qui brille. Do not be attracted by what is beautiful or even what is shining. Amen. But seek God's nature first. Et voilà. Amen. And this is it. Et les vêtements blancs, and white garments that you may be, that the shame of your nakedness may not be revealed. Vous avez vu trois choses là. You have seen three things there. Nous avons parlé de la nature divine. We have spoken about the divine nature, which nous is God. Nous avons parlé aussi. Des vêtements blancs, the white garments, qui sont les which are the good works of the saint, et puis vient le collier, and now, amen, le changement des visions, the eye soul, le renouvellement de l'intelligence, amen, the renewing of understanding, trois grandes choses, three great things, la nature de Dieu en the toi, the nature in God of God in you, les œuvres que tu produis, the works that you're going to produce, et ta vision, and your choses. Vision of things. Trois choses. Two things. Est-ce que vous comprenez? You understand? C'est important. It's important. Pour que tu sois un véritable croyant. For you to be a true believer. Ces trois choses. These three things. Sont importantes. They are very important. La nature de Dieu en toi. The nature of God in you. Maintenant, comment acquérir cette nature de Dieu? But now, how can you, a man, acquire this nature of God? La Bible dit. The Bible says. C'est en demeurant. It by abiding, dans la contemplation, in beholding, et nous allons rester dans ta contemplation, we're going to stay and behold in you, amen, jusqu'à ce que nous allons revêtir ton image. Close up your image. Vous avez vu ça avec le cas de Moïse. You have seen that with Moses' case. Il est allé seulement pendant 40 jours. He only went for 40 days on the mountain, dans la 40 nights in God's presence. Et quand il descendait, and when he descended il from the mountain, he had God's glory, a strong light, et tout le monde pouvait sentir, and everybody could feel qu'il est resté à côté de Dieu. He stayed, amen, beside God. Au point la lumière, cette lumière de Dieu, that God's light a commencé à briller sur son visage, and he started to shine. Et ce n'est pas toi seulement qui and le it's vois. Not only you can see that. Même les autres. Even the others could see this light. Amen. Voilà comme mon frère disait. That's why when my brother was saying, la lumière du you monde. Are the light of the world. Comment serez-vous la lumière and du how monde? How can you be the light of the si world? Si vous ne restez pas trop en contact avec la grande lumière. If you do not stay most of the time in contact with the great light. C'est en restant en contact it's by abiding with this great light. L'écriture utilise the term, uses the term abiding by beholding you. Nous cherchons à te contempler. We want to behold you. Yeah. Nous voulons te connaître. We want to know you. Nous voulons te comprendre. We want to understand you. Nous voulons nous approcher. We want to journey of you, Lord. Amen. We want more of you. Jusqu'à ce que ta lumière, until your light nous pénètre. Will penetrate us. Pénètre tellement. Penetrate us so much that we will start to reflect who you are. Amen. Que Dieu soit loué. May God be praised. Mais comment le faire? But how should acheter we do that? Acheter gratuitement. Amen. Come and buy freely. Isaiah 55. Without price. Isaiah 55. Verset 1. Verse 1. Vous tous. All of you. Faim, who are hungry. Who are thirsty of righteousness. Come to me. Oui. Est-ce qu'on vient? Do we come? Tu peux être à l'église. You can be in the church. Être distrait. And to be distracted. Amen. Tu peux être à l'église. You can be in the church. Et ne pas être connecté. And not to be connected. Oui. You la know. Connexion. The connection. Commence aussi d'abord avec la connexion. Always start with the connection that we have with Amen. The same one. Amen. Oui.
Et des gens, quand la prédication sort, ils sont tellement connectés avec la pensée de l'Esprit, ils sont en train de recevoir quelque chose. Oui. Amen. Oui. Rappelez-vous, remember, Abraham crut Dieu, believed God, et sa foi, and his faith was imputed to him into righteousness. Amen. To impute me, to stick on oui, him. Amen. Appris sa foi, God, he took his faith, il a transformé en and justice, he transformed Abraham's faith into righteousness, et a collé sa and he sticked it to Abraham. Amen. Quelle illustration. What an illustration. He has imputed this to him, sa foi, amen, his faith, comme une justice, as righteousness. Rendu juste, he was made righteous just by believing God. Amen. Mm. Quelqu'un qui est connecté à Dieu. Someone is connected to God. Ses pensées changent. His mind Amen. Will change. Il réfléchit différemment. He will Amen. Think differently. Regardez Abraham. Look at Abraham. Il avait des pensées. He has some thoughts qui ne sont pas montées au cœur d'un which homme did not come no. to of a natural man in the heart of a natural Amen. Man. Dieu lui dit. God told him. Prends Isaac, take Isaac, ton fils, your son, va me le sacrifier. Go and sacrifice him for me. Il prend he took le fils, il prend le bois, Isaac, the wood and the servant, they went all together. Dieu lui avait donné des signes. God gave him là signs where il he ought to do, amen, to offer the sacrifice. Mais regardez, you know the story. Une pensée. But look at a thought. Il dit. He said. Au serviteur. To the servant. Restez ici. Stay here. Nous allons aller. We're going. Nous allons adorer Dieu. We're going to worship God. En lui offrant le sacrifice. By offering him the sacrifice. Et puis nous reviendrons. We're going to come back. Moi et mon fils. I and my son. Nous reviendrons. We're going to come back. Mais il sait. But he knew. Il va le sacrifier. That he was going to sacrifice his son. Vous pouvez dire c'est peut-être une manière de parler. You can say maybe just a way of speaking. Non. No. C'était une foi profonde. Deep faith in him. C'est pas la seule fois qu'il le dit. It's not the only time he said it. Parce que l'Écriture nous dit. Because the scriptures revealing to us. Abraham, lorsqu'il allait tuer son when fils, he was about to kill Isaac, il y avait une pensée dans son there cœur, was a thought in his que heart, même si je tue Isaac, even if I kill Isaac, Dieu est capable, God is capable de le ramener to raise him up, to raise him back voilà to life. Il a dit, nous that's why he said we're going to come Amen. Back. Amen. He had a faith in him, a revelation in him qui lui montrait that showed him si tu obéis, that if he obeyed, si tu tues Isaac, if you kill Isaac, pour que la promesse accomplisse, that the promise to Dieu be fulfilled, God is going Amen. To bring Isaac back to life. Amen. Ça, c'était la foi d'Abraham. That was Abraham's faith. Mais d'où lui vient cette But where this faith came from? Elle vient de l'or qui est It came from Amen. The gold that was in him. Amen. Amen. Des pensées qui ne sont pas montées au cœur de l'homme naturel. Not come up in the heart of a natural man. Mais l'Ecclésiaste dit, and Ecclesiastes says, Dieu a fait God toutes choses bonnes en son temps. God has done all things good in its own time. Amen. Even il a mis dans le he has put in the heart of the man the thought of eternity, une a thought qui dit à l'homme, that says to the man, je suis éternel. I am eternal. Amen. Ne s'arrête pas dans my cette life chair. Is not stopping in this flesh. Voilà pourquoi Job, that's why Job, dit, je ne who said, pas, I shall not die, vivrai, I shall live. Amen. Amen. Yes. Amen. Que Dieu soit loué. Mais God un véritable croyant, a true believer, ses pensées, his ne mind peuvent pas être comprises par un incrédule. Be understood by an unbeliever. Amen. Impossible. Impossible. Si vous essayez de vous faire comprendre par la if force, if you try to make yourself understand by force, vous allez vous chamailler. You're going to, you're going to quarrel. Il y a des choses que tu dois juste there croire. Are things you just have to believe. Ah. Amen. Amen. C'est fini. And that's quand all. Tu vois que ça ne pénètre pas, and when you see that it's not penetrating, laisse prier. Just leave it Amen. And pray. Ne force pas. Don't force anything. Amen. Écoutez. Listen. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends so et je châtie tout ce que j'aime. To anoint Amen. Your eyes with eyes so that you may see as I mean, as I love. Que, I rebuke voilà. And chasten. Écoutez bien. Listen. Moi, je reprends. And as I, Amen.
et je châtie. And as a means of love, I rebuke and chasten. Je punis. I punish. Je reprends et je punis. Amen. 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 I rebuke and I punish. Amen. Combien de gens? How many? Tous. All. Ceux que j'aime. The all that I love. Amen. Tous. All that I love. Est-ce que vous comprenez? Do you understand la that? Grâce, c'est pas la the grace is not like a break. No. Like a time to enjoy only. If God loves you, si tu fais quelque chose de if mauvais, you do something evil, il doit te punir. God is going amen. To punish you. Mm. Qui dit amen à ça? Amen. Oui. Yes. Nous devons le croire. We must believe this. Si je châtie, said, I rebuke and chasten. As many amen. As I love. Mais comment éviter ça? But how can you avoid il dit, aie donc du zèle. Amen. Et repens-toi. Therefore be zealous and repent. Aie donc du zèle. Therefore, sois zélé. Be zealous and repent. Be zealous. Si tu n'es pas zélé, if you are not zealous, si Dieu t'aime, if God loves you, tu seras puni. You're going to be punished. Yeah. Amen. Et si c'est moi qui l'ai dit? Is it, I am saying it. Est-ce que vous lisez ça aussi? Are you reading that with me? Amen. Et maintenant, comment savoir qu'il s'agit du temps de la fin? And how should we know that it's concerning the end of the time? Je me tiens à la fin. I stand. Voici, je me tiens I stand at the door. I know. Si quelqu'un if anyone entend ma voix, hears my voice. Yeah, c'est au conditionnel. It's in conditional. Amen. Si, if quelqu'un, if anyone, ceux qui ont fait la mathématique qui comprennent ça. Those who have done math, oui. They can understand this. Si et si seulement. If, si et si seulement. If oui. And only if. Voilà. Si quelqu'un, if anyone, entend, hears my voice, et ouvre la porte, and opens the door, j'entrerai chez lui. I will come. Et je souperai avec lui. Into him and dine with him. Et lui avec and lui. And he with me. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand that? Des fois, tu peux souper avec quelqu'un. Sometimes you can dine with someone. Mais lui ne soupe pas. But he's not dining with you. Mais vous êtes en train de souper. But you are dining. Mais lui ne soupe pas. But he's not dining with you. Toi qui soupe but avec you are dining with him. C'est compliqué. It's complicated. La communion. The fellowship. Il faut que les deux cœurs. The two amen. Hearts oui. Must be connected. Il dit, j'ai souperé avec lui. He said, I will dine with et you. Lui aussi, and he also will dine lui. With me. Amen. Not on one way. Non. Mm-hmm. C'est vrai. Both sides. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça doit être dans les deux. Must be on both sides. Tu peux souper avec quelqu'un. And both sides, you can dine with someone. Et lui n'est pas en train but he's not dining pas. With you. Amen. C'est ça. C'est compliqué. Very et voici. Amen. 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 Verset 21. Verse 21. Celui qui vaincra, to him who overcomes, je le ferai asseoir. I will grant to sit with me comme on moi my j'ai throne, vécu, as I also overcame. Et me suis assis avec and mon sat père down with père. My father on his throne. Que celui qui a des oreilles, he who has a knee. Entend. Let him hear amen. What the Spirit says to the churches. He who has a knee. Is que tu as des oreilles? Do you have ears? Amen. Yes. Que Dieu soit encore loué. May God be praised again. Nous sommes en train de vivre des moments terribles. We live in a terrible time. Les gens sont découragés. People are discouraged. Les gens sont fatigués. People are exhausted. La marche a été longue. The walk has been long. Et beaucoup. And many. Leur foi. Their faith. A commencé à sombrer. Has started to slumber. Ils croient. They believe they're going to church. Le feu, les but zèles, the fire, the zeal of the beginning is no longer there. No. Amen. Voilà pourquoi. That's why. Il s'agit d'un petit rien. It's about just un little petit nothing, rien. Little nothing. Pour même manquer la réunion. And even to miss the meeting. Oui. Mm-hmm. Un petit rien. A little nothing. Suffisamment que quelqu'un, un ami dit, c'est mon anniversaire. You just say, oh, my friend has an anniversary. Oh, je dois aller à la. I have to go to the birthday.
Et quand vous demandez au Seigneur, ne me pas dire, je ne suis pas venu, c'était l'anniversaire. He did not come to the meeting because it was my friend's birthday. C'est pas à nous qu'on rencontre. It's not, not to us that you give an account. It's to God. J'étais mis en pause. Ah, amen. Pour honorer d'abord l'invitation de mon âme. Amen. Lord has put you in pause so that I may honor the invitation of my friend. Si birthday. Tu n'étais pas parti. If you did not go there. Rien n'allait t'arriver. Nothing will happen to you. La personne n'allait même pas arrêter d'être ton ami. And the person would not even stop to be your friend. Vous savez? You know? Hier, on parlait. Yesterday, we spoke. Avec mon frère Daniel. With my brother Daniel. Et nous parlions d'Elijah. And we were speaking about Elijah. La première fois qu'il est allé à l'interview. The first time he went to the interview. C'est son premier interview. It was his first interview of work. Alors, on lui parle de tout. Il and they told him about everything, and he spent it. He passed his interview. Tu as une question? He said, "You have a question." He said, "Est-ce que il y a moyen que je ne travaille pas jeudi et dimanche. Is there any way I should not work on Thursday and Sunday?" Il dit pourquoi? Il dit parce que je ne peux pas venir ces deux jours-là. Because I cannot come these 2 days. Parce que j'ai l'église. I have the church. On l'a pas pris. They did not take him. On l'a pas pris. Mais il y avait une leçon derrière ça. There was a lesson behind that. Moi j'étais impressionné. I was impressed. J'ai dit wow. I say, wow. Donc dans sa pensée, so in his mind, tout ce que je dois faire, all that I have to do, c'est en fonction d'être is in function to be to church first. Amen. Amen. Quelle grâce. What an amazing grace. Mais comme il avait été juste, and because he was so righteous, Dieu lui a redonné le God travail has plus tard. Given him the job afterward. Oui. Dieu est bon. God is good. Amen. Tu prends position pour you lui. Take position for God. Tu auras une défaite momentanée. A temporary defeat. Oui. Mm-hmm. Mais Dieu va t'accorder la victoire. But God is going to grant you the victory afterward. Amen. Oui. Là à l'aéroport. There at the airport. Tout le monde sait. Everybody knows. Qu'ils ont église deux fois par semaine. That they have church twice a week. Oui. On est entouré des musulmans. We are surrounded with Muslims. Et le demande, how was church? Comment était l'église? Il faut être zélé. You must be zealous. Il y a des gens qui. There are people. On ne sait même pas qu'il est chrétien. We do not even know. No one even know that he is a Christian at his workplace. Alors pourquoi beaucoup de gens n'ont même that's pas why de Bible? Many people don't even have Bibles. Viens à l'église avec. You come into church. Avec ton téléphone. With your phone. C'est ça ta Bible. This is your Bible. C'est pas un péché. It's not a sin. No. Mais c'est un manque de zèle. But the lack of zeal. Amen. You are not. Amen. You are not truly proud of your identity. Notre frère a beaucoup parlé d'identification pendant la prédication. And our brother was speaking about identification. Identification. C'est pas pour rien. It's not. It's not for nothing that God has put us here. Amen. Amen. Ne négligez pas ces choses. Do not neglect these things. Prenez 2 Corinthiens 5, nous allons terminer. 2 Corinthians 5, we're going to finish. Verset 11. Chapitre 5, verset 11. 2 Corinthians 5, verset 11. Nous prenons partie du verset 10. Let's start from verse 10. Verse 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Retournez peut-être au verset 6. Ok, let's return to verse 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. So we are always confident. Et nous savons, knowing, qu'en demeurant dans ce corps, that while we are at home, nous demeurons body, loin du Seigneur. We are absent from the Lord. Quelle réalité. Mm-hmm. What a reality. Yes. Hein? Si nous demeurons dans ce corps, if we are in this body, nous demeurons loin du Seigneur. We are staying far away from the Lord. Mm-hmm. Et cette vérité là, and this truth, j'étais en train de penser à ça. I was thinking about parce it. J'ai entendu, because I've heard, un président de la République, a president en of Afrique, a country in Africa, se moquer des croyants, and mocking the believers. Il a dit, vous êtes
He said, you, tous vous dites que vous allez aller au ciel. You all saying that you're going to heaven. Hein? Vous voulez pas seulement vous aller au ciel. But we don't want here. You just want to go to heaven. Mais dès qu'on vous dit de mourir, personne ne veut mourir. When they ask you to die, no one wants to die. Ne veut pas mourir. Even the pastor don't want to die. Il dit, mais si vous aimez tellement but votre if Dieu, you love so much your God, allez le rencontrer. No, we just have to be here first. L'apôtre Paul dit, la mort est gain. Death is a gain for me. Amen. Évidemment, nous ne cherchons pas à mourir avant notre temps. No. Obviously, we're not seeking to die before our time. Pas but we don't fear death Amen. Anymore. Parce que la mort pour nous, because death for us, pas la fin de it's not the end of the story. No. Notre histoire ne se termine pas dans ce corps. Our story is not ending Amen. In this body. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Hier, that's why we are grateful. Nous parlions de notre frère Edward Frank. Yesterday, we were speaking about our brother Edward Frank. Ce frère, this brother, il avait aussi des choses qu'il croyait. He had some of the things that he believed. Mais qu'il n'a pas dit aux gens. That he did not tell people. Oui. Remarquez. Notice. Que il a dit à sa femme. He said to his wife. Et aux anciens. And to the elders. Si je meurs. If I die. Je ne veux pas beaucoup de gens. I do not want a lot of people to come. Ne faites même pas une pierre tombale. I do not even put a tomb there. Laissez l'herbe pousser là où on but let amen, herbs to grow, the grass to grow, where I will ne be buried. Ne mettez pas un signe pour que les gens viennent là-bas. Oh non, 1950. Forget me. Do not put from where I was born and the date when I died. Parce que l'homme n'est plus là-bas. The man is no longer there. Dès qu'il meurt, l'âme sort. Once he dies, the soul will come out of him. Yes. Amen. Oui. Vous allez dire, oh non, il parle. You're going to say, he's just speaking. No. Mon frère est mort ici dans ce pays en 2005. My brother died in this country in 2005. La dernière fois que j'étais au cimetière, the last time I was in the cemetery was the day of his funeral. Parce que je sais qu'il n'est pas là-bas. Because I know that he is no longer there. Amen. Non. Il n'est pas là-bas. He's no longer there. Vous vous prenez, non, c'est la date de ce moment. Oh, vous non, prenez des frères, vous allez là-bas, vous commencez à parler, oh non, tu vas vraiment, j'espère que tu reposes en paix. Pense aussi à nous qui sommes restés. Et vous dites que vous êtes croyant. And you say that you are a believer. C'est grave. Les 20 manières de vivre et d'inhériter that we have inherited from our parents. Frère Franck a dit, laissez the man let the grass grow. Et là où j'ai compris que c'est grave. This is why I understood that it was really great. C'est lorsque j'apprends. It's when I heard. Que même les autres anciens qui sont morts avant. That even the over elders who died before him. Quand les frères sont allés, où est-ce qu'on a enterré? When the brother went to go and find where they were buried. Non, on va pas retrouver. No, we won't find it. Lui aussi. He also. Il ne croyait pas dans ces histoires. He did not believe about the tombs. L'Écriture dit the scripture says que le corps qui est sémé, that the body that is ce n'est pas celui qui that is sold, is not the one that will come back to life. Et la nature nous le dit. And the nature is telling us that le grain qu'on sème, that the grain that we sow, c'est pas le même grain. It's not the same soul that will come out. Celui-là va pourrir. That seed will die first and be destroyed. Un nouveau to grain. Be rotten, and then a new grain will come out of that old. One. A new Amen. Seed. Amen. Yes. In the nut of the mangoes, there is a tree. Yes. Who could imagine que dans un noyau de mangue, that in a nut, là-dedans, in it, y a un arbre, there is a big tree avec beaucoup d'autres mangues, with many other mangoes and the nuts, yes. More nuts. Quel mystère. What a mystery. Amen. Donc ne soyez pas ignorants. So do not be ignorant. Au sujet de ceux qui dorment. Amen. About those who are falling asleep. Ils ne sont pas dans les cimetières. They are not in cemetery. Non. Amen. La Bible dit ils sont poussière. The Bible says that they are dust and they return Amen. To dust. En ce moment, nos bien-aimés qui sont partis. In this moment, those all our beloved who all went home sont au repos. They are resting. Amen.
Amen. Et je disais à quelqu'un hier, and I was telling someone si yesterday, dans tes rêves, if in your dream, tu vois quelqu'un qui est mort, you see someone who died, ne l'écoute pas. Do not listen to him. Pas lui. And it's not him. Abraham a dit aux Abraham gens said to the rich young rich man, Dieu n'a pas permis God does not allow, qu'il y ait communication entre les séjours des morts that there will be et les communication vivants. Between those who are in the Hades and the living. Mais le diable peut porter l'image. The devil can bear the image of someone who already died. Parce qu'il connaît ton attachement. Because he knows your attachment for that person. He knows the love that you have for that person. Il va porter son image. And he's going to carry that image. Et va venir te dire des and choses. Come and tell you things. Amen. Donc fais très attention. So be cautious. Ne communiquez pas do not communicate avec les gens with morts, the dead people. Pas des messages and do not receive Amen. Any message from them. May God be praised. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Est-ce que vous aimez la vérité? Do you love the truth? Amen. Amen. Alors écoutez. Quand verset nous sommes nous, verset 6 nous étions. Nous sommes toujours pleins de confiance. For we are always confident. Nous demeurons loin we du are Seigneur. At home in the body, we are absent from the Lord. Car nous marchons par la foi For et non we par walk la vue. By faith, not by sight. Nous sommes pleins de confiance. We are confident. Yes. Nous aimons mieux quitter well, ce corps. Pleased rather to be absent from this body. And to be present with the Lord. C'est pour cela aussi que therefore, nous efforçons we make it our aim à lui être agréable, whether present or absent, to be well pleasing to him. Dans ce corps, Amen. Soit que nous le quittions, whether we are in this body or not, peu importe, no matter what, quelle forme nous sommes, what form we are in this body, corps, or out of this body, nous efforçons but we enforce ourselves to please Him. Amen. 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 Verset 10. Car il nous faut tous comparer for we must all appear before the judgment seat of Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Nous répondrons we're going to answer de tous les actes from all the actions faits dans ce corps that we have done in this body. Est-ce que cela annule la grâce? But this is nullifying the grace. No. Vous savez c'est quoi la grâce? Do you know what is the grace? La grâce, a grace c'est un enseignement. Is a teaching. Qu'est-ce que cet enseignement dit? So what is teaching saying? Renonce à l'être. Renounce to ungodliness. Amen. C'est ça la grâce. That is the grace. Amen. Qui croit ça? Who believe that? Amen. Amen. Car la grâce de Dieu, for the grace of God, source de salut, spring of salvation pour tous for les all men has been revealed. Amen. Elle nous enseigne and is teaching us to renounce to ungodliness. C'est quoi l'impiété? So what is the ungodliness? Le manque de la divinité. The life of Godhead. Le manque d'or. The life of the gold in you. Si tu n'as pas d'or, and if you do not have the gold, tu vas produire la mort. You're going to produce death. Amen. Et tu répondras pour ça. And you're going to answer for that. Amen. Alors pourquoi la Bible dit? That's why the Bible says. Aimer. Love ceux qui vous prêchent those who are preaching you the word of God. Parce qu'ils vous sauvent de la because they're saving you from death. Who believe that? Amen. Oui, levez vos mains correctement. Lift up your hand. Do not be ashamed. Soyez zélé dans tout be zealous in everything you do. Amen. Qui croit ça? Who believe that? Amen. May God be praised. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous vous aimons beaucoup. We love you a lot. Et nous croyons. And we believe que Dieu vous aime. That God loves plus que nous. More than us. Amen. Amen. Verset 8. Verse nous 8. Sommes pleins de confiance. Est-ce que vous avez cette we confiance? We are confident. Yes. Et nous aimons mieux quitter. Well, pleased rather to be absent from the body. Quand tu sens une petite douleur ou quelque when chose, ne panique pas. Do not panic.
Prie le Seigneur. Pray the Lord. Et dis Seigneur. Say Lord. Si c'est mon temps. If it's my time. Je suis content de te rencontrer. I am happy to meet you. Mais si c'est le malin. And if it's the wicked one. Je chasse son âme. Chasing away. Amen. This. For me. C'est aussi simple que ça. It's so simple as that. Pas compliqué. It's not complicated for the believers. Amen. Ne cherche pas les sorciers. Do not seek where are the witches. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre. God did not send you on the earth to find where the witches are. Non. No. C'est pas ta mission. This is not your mission. Laissez les sorciers d'aller. Let the witches to live their lives. Nous n'avons pas de contrat. We have no connection with them. Amen. Verset 11. Verse connaissant 10. Donc la crainte du Seigneur. Knowing therefore the terror of the Lord. Nous cherchons à convaincre. We persuade. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. This is what we're doing here. Cette crainte. This fear. Qui nous aide à chercher à convaincre les hommes. That is, amen, pushing us to persuade men. Et Dieu nous connaît. But we are well known to God. J'espère que dans vos and actions, I also trust. Vous nous connaissez aussi. I also trust are well known in your conscience. Est-ce que c'est vrai? Is it true? Vous nous connaissez aussi. Do you know us as well? Amen. Si c'est vrai, dites amen. If it's true, say amen. Amen. Vous ne nous connaissez pas. You do not know us. Est-ce que vous nous connaissez aussi? Do you know us also? Amen. Amen. C'est comme ça qu'on a crucifié Jésus. This is how Jesus Christ was crucified. When they asked, entre Barabbas, between Barabbas qui vous voulez qu'on le mette, and Jesus, who do you want to be crucified? And the believers saying that, Free Jesus. Et les incroyants criaient, and the believers said, set free Barabbas loudly. On a crucifié Jésus. And Jesus was crucified. À cause de ces gens de comportement. Because of this kind of behavior. Quelque chose que vous croyez. Something that you believe in. Amen. You have to cry out amen to that. Amen. C'est ça. This is. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. En effet, nous allons arrêter là. We're going to stop here. Cette portion suffit pour aujourd'hui. This portion is enough for today. Yes. Rappelez-vous de trois remember choses. Three things. L'or. Gold. Les vêtements blancs. The white garments. Et le collier. And the eye salve. Revelation 3. Ne l'oubliez pas. Méditez. Do not forget. Meditate on these things. Les temps sont mauvais. The times are evil. Le diable. The devil is at work. Et beaucoup de gens que and many people ici, that we see here, on espère vous voir de l'autre côté. We also hope to see on the other side. Ça, c'est notre prière. This is our prayer. Et ne rêvez pas. So do not dream. Ce ne sera pas sans combat. It won't be without battle. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Amen. Allons chanter.